Nous sommes à la légumerie de Dijon Métropole, qui est un élément essentiel de notre stratégie alimentaire territoriale de Dijon Métropole, Prodige. Avec qui travaille la légumerie? Eh bien, en amont avec les producteurs, bien évidemment, et en aval, eh bien, on travaille avec des clients, la cuisine centrale, mais également on est à la recherche de clients de restauration collective, publique dans un premier temps, comme le CHU, le CROUS, les lycées, pourquoi pas les collèges. C'est bien cette connexion entre l'amont et l'aval qui est le caractère essentiel de la légumerie dans la politique de stratégie alimentaire territoriale de Dijon Métropole Prodige. La légumerie Dijon Métropole est située sur le parc d'activité de Beauregard, sur les communes de Houges et Longvie. Elle a une surface de 400 m² environ sur un terrain de 5000 m². La légumerie de Dijon Métropole est un atelier dédié à la préparation des légumes issus de notre territoire. Donc, sur la légumerie, nous allons recevoir des légumes sortis du champ et nous allons les préparer, les transformer pour la restauration collective de Dijon et Dijon Métropole. Dans la transformation, on entend l'épluchage, la découpe, la mise sous vide pour emmener un produit prêt à consommer, prêt à cuire pour les cuisines centrales de notre territoire. La légumerie est équipée de matériel spécialement conçu pour le travail des légumes, notamment un système d'épluchage abrasif des légumes pour tous les légumes terreux comme les carottes, les boules de céleri ou les pommes de terre. Des appareils qui peuvent passer 400 kg à l'heure au niveau de la découpe, au niveau de du lavage ou de la désinfection de ces légumes. En ce qui concerne mes productions qui seront disponibles pour la légumerie, par rapport à leurs besoins, il y aura de la pomme de terre, de la carotte, du pois chiche, du haricot au lingot blanc et lingot rouge. En étant agriculteur bio, bien sûr, l'impact environnemental de cette légumerie, il est que positif, puisque voilà, on est à une vingtaine de kilomètres de Dijon, les produits sont cultivés en bio et ils vont être valorisés en local, donc c'est super. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis mon installation, de pouvoir aller jusqu'au bout en fait de la filière. La culture, la transformation, donc moi je fais déjà de la transformation sur la ferme en farine huile, du légume sec. Et l'étape de la légumerie est en fait un intermédiaire supplémentaire qui permet en fait de transformer nos produits en local pour aller directement à l'assiette. Dans un premier temps des élèves, des enfants, donc ça je trouve ça super bien, et puisqu'on a quand même la chance en Côte d'Or d'avoir beaucoup de matières premières pour alimenter nos différentes cantines. Je trouve ça très très valorisant. Moi, chez Bio Bourgogne-Franche-Comté, intervient dès la prise de commande, puisque donc, nous réceptionnons la commande de la légumerie et ensuite nous la transmettons au producteur. Donc si un producteur n'est pas capable de répondre seul, nous associons plusieurs producteurs que nous faisons livrer sur notre plateforme logistique de Dijon. Ensuite, nous préparons la commande du client et nous l'expédions par transporteur. Nous sommes au quotidien en contact avec les producteurs pour nous assurer de l'état d'avancement des cultures. Nous sommes en lien avec les équipes de la légumerie pour être force de proposition sur les légumes bio locaux à intégrer dans les repas. La création de cette légumerie, c'est un véritable débouché pour les producteurs et ça va permettre surtout aux enfants, aux enfants des cantines, de pouvoir consommer des produits bio et produits sur le territoire. Cette légumerie, elle va nous permettre de produire sans intermédiaire, de maîtriser notre consommation directement de la terre à l'assiette, du champ à l'assiette. Elle profite à tous, c'est-à-dire qu'elle profite tout à la fois, je vais commencer par eux, aux enfants qui vont être les premiers à en profiter, mais elle profite aux producteurs qui vont trouver un exutoire de qualité à leur produits. Tout ça, c'est une agriculture raisonnée et raisonnable, et elle fait de notre territoire un territoire tout à fait extraordinaire d'expérimentation et d'innovation. Alors, Prodige, c'est un système global et vertueux de transition alimentaire, on l'a dit, mais qui va profiter à tous. Quand on sera dans la transition alimentaire, eh bien, on portera en même temps un grand projet de transition écologique.